Bonsoir tout le monde! Ça va les gars? On ne dérange pas trop! Même parce que ça fait deux matchs, frère! Que se fait chier, tu vois? Je t'ai pas fait de débrief contre Montpellier, excuse-moi, amour! J'avais pas grand chose à te dire non plus, tu vois? Sur ce partout, je me suis dit ça va contre Lorient, ouais, compte le faire! Compte le faire? Encore plus de la merde, gros, contre Montpellier, 0-0! De la première jusqu'à la dernière minute, frère, je me suis fait chier! Tout au long du match. Hein? Ce qui m'a réveillé un peu, c'était les actions de Balerji, tu sais. Non, pas vers nous, hein. Contre nous, hein. Contre nous. Hein. Alors, ce qu'il a fait, Balerji, hier, c'est incroyable. De le voir encore titulaire, c'est... Ma foi, je comprends plus, moi. Je sais pas, ça y est, se connecter les filles chez Igor. Hein? Tu portes bien ton nom, frère. Je comprends pas, gros. Je sais pas, toi aussi, tu es pas stable, gros. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? C'est le choix d'effectif, là. C'est quoi ta tactique, gros? Non, mais explique-nous, là. Mais dis-nous un peu ce que tu cherches, en fait. Parce qu'en fait, tu cherches quoi? C'est quoi que tu es en train de chercher? De nous mettre le démon, gros? De nous engâter, tu vois? Là, je vais passer une semaine, je suis tendu, tu vois ce que je veux te dire? Non, mais dis-nous, Igor, tu vois? Qu'on se comprenne, qu'on te donne des petits trucs, tu vois? On t'explique un peu, tu vois? Non, parce que je comprends pas. Tu mets des Mbemba, le mec, c'est... C'est un phénomène, gros. Tu le fais rentrer 10 minutes à la fin du match. Tu ne le mets même pas titulaire. Tu te mets Guendouzi, le mec, il est dégoûté. Même lui, on dirait qu'il a plus envie, Guendouzi. Je sais pas, tu vois. Je sais pas, les gars. Il reste 8 matchs. 8 matchs. Là, on a laissé la place au Lensois. Donc, du coup, on a 2 points de 1, tu vois. Les Parisiens, bon, on parlait du titre. J'ai envie de te dire que le titre... Il s'est fait flasher à 180, frère, je te le dis, le titre, gros, laisse tomber, tu vois. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On se dit quoi? Il y a Monaco qui sont derrière, il y en a qui ont fait le faux pas. Après, tu te dis, oh, on ne gagne pas contre Lorient, non. On voit les gens, qu'est-ce qu'ils font? Mais ça me bat les couilles de voir ce qu'ils font. C'est nous, chaque fois, c'est pareil. En plus, on te dit, frère, il te reste 8 matchs. C'est la fin de saison, après tu vas bringuer, tu vas faire un peu ce que tu veux, tu vois, tu vas te dégourdir, je sais pas où tu vas, je m'en bats les couilles, tu peux aller, régale-toi gros, mais il te reste 8 matchs. On est passé par toutes les émotions là, cette saison, dans tous les chemins, on a pris tous les chemins gros, toutes les correspondances c'est pris, pour qu'au final ne se joue que le championnat, voilà, et en plus, on combat gros. Oh père, tu combats, Pélo, je le dis, frère. Là, ça fait 2 matchs, tu combats, gros. Voilà. Là où je joue contre 3, on va aller à Lens, on va aller à Lyon, tu vois. Oh les gars, faut pas lâcher. Je te vois que tu lâches, là. Tu lâches, ça me tend, gros. J'ai fumé un paquet de cigarettes depuis ce matin, frère. Et c'est à cause de qui? À cause de vous. À cause de vous, tu me dis, ouais, mais je te dis, c'est l'entraîneur, mais l'entraîneur. Il n'est pas sur le terrain, tu vois. Vitinha, moi, ça me fait chier d'avoir un mec. On a payé 32 bâtons, frère. Tu l'as payé 32 millions, frère. Alexis, ton collègue, là. 32 millions, frère. Tu l'as cramé d'entrée, tu vois, quand tu l'as fait. Quand il a signé à l'OM, tu l'as cramé d'entrée parce que tu l'as un titulaire, normalement. Tu mets pas un joueur titulaire quand tu viens de faire un transfert mercato hivernal, tu vois. Et depuis, après tu nous dis, ouais, mais je vois ce qui se passe. Et ouais, mais il risque de s'éclore l'année prochaine. En parlant de Vitinha, mais tu l'as pris pour un Pokémon, là, Vitinha, gros. Tu crois que c'est qui? C'est le but bizarre. Il va s'éclore l'année prochaine. Donc on s'assoit dessus, là, cette année. C'est ça que tu es en train de nous dire. 32 bâtons, frère, pour une demi-saison. On s'en bat les couilles, ça. Et non, mais... Et tu vois, gros, après je pars sur des sujets, frère, c'est sensible. Hein? Bon, les gars, tendu cette semaine. Je suis tendu, je te le dis, je suis tendu. On va jouer contre 3, là, dimanche. Faut les raser d'entrée, tu vois. Faut leur mettre 3, fidèles à leur club, tu vois, leur nom, le ville, tu sais. 3, faut leur mettre. Et faut y aller, les mecs. Là, faut sortir les doigts du cul, frère. Faut y aller au charbon. Il reste 8 matchs. Vas-y au charbon, voilà. Vas-y au charbon. Celui qui a plus envie, qui le dise, tu vois. Mais allez-y, à la guerre. Voilà. 8 matchs de guerrier, frère. Voilà. Coup de tête, tu vas, tu vois. Coup de pied. Les 2 pieds en avant, tu vois. C'est bon ou pas? Et les 3 points à chaque fois. C'est bon, les mecs. Sur ce,
Bonne semaine à tout le monde. Joyeuse Pâques à tout le monde, frère. Et je voulais avoir aussi une petite pensée, enfin, une grosse pensée aux victimes de l'effondrement de l'immeuble à la rue de Rivoli à Marseille. Il y a eu beaucoup de victimes. Une pensée pour ces personnes. Et puis, le cœur y est, frère. Et donnez-nous un peu de bonheur. Donnez-nous ça qu'on a besoin, frère. Du bonheur, gros. Tu vois, c'est ce qu'on vit. Alors, en plus, l'OM, ils vont pas bien, frère. Il y a des gains qui marchent. Hein. Allez, sur ce, je t'embrasse, gros. Bichu m'a gonflé. Hein.